Voilà, soyez les bienvenus pour ce dimanche dans la présence de Dieu pour avoir un temps de célébration ensemble. Ça va, vous allez bien? Bien, il y en a qui ont eu du mal à se lever apparemment ce matin, mais je pense que ça va arriver comme d'habitude. Voilà, on est heureux en tout cas de vous accueillir et d'avoir ce temps ensemble. Nous voulons tout simplement célébrer le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia. On va accueillir également nos bien-aimés qui sont sur Internet et qui nous suivent régulièrement. C'est un dimanche un peu particulier puisque pendant le temps de notre deuxième culte, nous aurons aussi un service de célébration, de baptême, une cérémonie particulière pour ceux et celles qui ont désiré accepter le Seigneur dans leur vie, dans leur cœur. Et donc au premier culte, nous aurons les témoignages vidéo comme nous faisons d'habitude. Et puis ensuite au deuxième culte, bien sûr, nous passerons à ce service de baptême. En tout cas, pour l'heure, nous sommes là et nous sommes dans la joie de le célébrer. Waouh, ça c'est... Je vois une joie incroyable sur vos visages. Je ne sais pas si c'est ça, mais... Ou alors vous êtes très heureux intérieurement. C'est ça, hein? Ouais, je sais, on est à Reims, c'est le très politiquement correct. Vous ne pouvez pas imaginer comme je suis heureux en ce moment. Mais c'est tout à l'intérieur, ça se voit. Est-ce qu'on peut, un petit peu s'extérioriser, s'exprimer, louer Dieu? On se lève ensemble? Alléluia. Comme je le dis souvent... Notre auditoire ce matin, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas l'estrade. Notre auditoire, c'est Dieu. Alléluia. Nous sommes là pour lui rendre un culte qui lui soit agréable. C'est ce que la Bible nous invite à faire. Et nous voulons rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable par nos vies, par nos louanges, par notre adoration. Alors je vous invite tout simplement à prier, placer ces instants, ces moments entre les mains du Seigneur et de dire tout simplement au Seigneur, eh bien, conduis-nous encore dans cette matinée et déverse sur nos vies tes bénédictions et tes grâces. Quelqu'un a besoin d'être touché par Dieu ce matin. Quelqu'un a besoin de le trouver tout simplement. Quelqu'un a besoin de recevoir une grâce, une bénédiction de la part de Dieu. C'est possible. La Bible nous dit que chaque matin, il renouvelle ses bontés, il renouvelle ses grâces. Elles sont à notre disposition. Alors je vous invite tout simplement à prier en lui présentant cette matinée, en lui demandant de se manifester au milieu de nous. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci pour ces moments, ces instants également que tu as prévus. Et au-delà de ce que nous avons peut-être programmé, organisé, des chants, des temps de prière, au-delà de tout cela, viens faire toi ta demeure au milieu de nous. Viens agir, Seigneur, par ton esprit. Ta parole nous dit que par ton esprit, tu te manifestes. Par ton esprit, tu touches nos cœurs, tu touches nos corps. Par ton esprit, tu viens nous réconforter, nous fortifier, nous donner du courage. Par ton esprit, tu viens aussi nous communiquer une vision nouvelle. Alors Seigneur, merci pour ta présence et tout ce que tu accordes à nos vies. À toi soit toute la gloire. Et nous voulons faire monter vers toi tout simplement toute notre reconnaissance maintenant. Alors sois béni pour cette matinée dans le nom de Jésus. Amen. Que vous êtes reconnaissant. Alléluia. Entrons dans ses parvis avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est notre roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la
terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés, attention, on veut vous entendre, pousse un cri de joie. Venons, venons danser par vie, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face, oui, il est le roi. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Pousse un cri de joie. Seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Seul vrai Dieu, roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux. Que la terre entière pousse un cri de joie. Ah, Christ, Christ est ma joie. Est-ce que Christ est votre joie? Alléluia. Alors nous voulons le crier très fort. Christ est ma joie. Et ne pas avoir peur de le proclamer et de l'annoncer. Alléluia. Le Seigneur. Alors il veut nous entendre. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Je
peur de chanter, pas peur de crier, que Christ est ma joie. Seigneur, c'est vrai, ce matin, Seigneur, nous voulons dire que tu es notre joie. Tu es, Seigneur, notre bonheur. Et ce matin encore, nous voulons te louer. Ce matin encore, Seigneur, c'est toi que nous voulons adorer. Toi le seul vrai Dieu, toi le Christ, toi le Sauveur. Et ce matin encore, Seigneur, ton peuple est là pour louer ton nom. Ton peuple est là pour t'adorer, pour te remercier, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous à la croix. Seigneur, sois loué, sois béni. Amen. Oh, bénissez Jésus ce matin. Soyez reconnaissants pour ce qu'il a fait. Oh, bénissez votre Sauveur ce matin. Oh Jésus, bénissez votre roi ce matin. Il est glorieux. Il est glorifié. Assis sur le trône, Jésus. Tu règnes, Seigneur. Mecho yadoa seyan Jésus. Toliadoa sebebe baliadoa. Thank you.
seul que nous trouvons la paix, Seigneur. Le vrai bonheur est en toi seul, Seigneur. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent, auquel se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. À la mort de Jésus, je vis. La tombe. Il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, jeté par le sang du Christ sur ma vie, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes. Qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ, je te traite. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me par la force du Christ, je tiendrai. Qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ, je tiendrai. Oh, sois loué.
loué, sois béni ce matin, Seigneur. Je tiendrai, Seigneur, par ta force et ta puissance. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me soutiens. Seigneur, tu nous as donné Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés. Oh, quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Jésus. Quelle grâce un jour où je t'ai rencontré, où tu as fait de moi ton enfant. Oh, bénissez Jésus ce matin. Soyez reconnaissants pour ce qu'il a fait, le don de sa vie pour nous. Le don de sa vie pour nous. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait parce qu'il nous aime. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Il l'a fait parce qu'il t'aime. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais la croix dans ta vie. N'oublie jamais le sacrifice de Jésus dans ta vie. N'oublie-le jamais. Sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, rachetez.
racheté par le sang du Christ. Encore une fois. Et sur ta vie, par son pouvoir, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ. Racheté par le sang de l'agneau. Toliado Soma Baba, le sacrifice qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Adorons l'agneau. Adore ce matin, ne regarde pas ici. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore. Adore ce matin celui qui t'a sauvé. Celui qui t'aime ce matin. Recevoir nos louanges, lui seul est.
se les dit. Adore-le ce matin, adore ton Dieu, adore ton Sauveur, puisqu'il est le seul digne d'être adoré. Alors ouvre ta bouche et adore-le. Les anges l'adorent, les anges l'adorent. Il est présent au milieu de nous. Merci, Jésus. Oh, sois béni, Jésus. Alléluia. Oui, nous bénissons ton nom ce matin. Alléluia. Oh, Jésus. Merveilleux Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons encore, Dieu de gloire. Alléluia. Merveilleux Jésus. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Nous voulons le célébrer. Je vous invite à reprendre place quelques instants. Peut-être que vous êtes là pour la première fois, vous avez peut-être été invité et vous vous dites, mais comment ? Comment aujourd'hui on demande à des hommes, à des femmes d'adorer, de célébrer un Dieu ? Et peut-être vous posez toutes sortes de questions, vous vous dites, mais quel Dieu ? Quel Dieu devons-nous adorer ? Quel Dieu devons-nous célébrer ? Et comment se fait-il que aujourd'hui des hommes et des femmes encore eh bien, rendre un culte à Dieu afin de l'honorer et de le glorifier. La réponse est très simple. Parce que pour toutes les personnes qui sont dans cette salle, comme celles qui nous suivent sur Internet aujourd'hui, il y a plusieurs années en arrière, avant de faire une expérience particulière, personne n'était en capacité de pouvoir adorer Dieu ou le célébrer.
Ou alors nous le faisions par habitude, par tradition, par culture, par tradition familiale, parce qu'on nous avait amené quelque part et on nous disait qu'il fallait adorer Dieu. Mais nous n'avions pas fait une expérience personnelle. Et la plupart des gens qui sont ici aujourd'hui, ceux qui nous suivent sur Internet et d'autres, des milliers d'hommes et de femmes, de partout en France, en Europe et dans le monde, ont vécu un jour une expérience juste extraordinaire. Et cette expérience qui, depuis 2000 ans, est quasiment la même, même si le chemin est différent, eh bien, nous avons trois amis ce matin qui ont vécu aussi cette expérience-là. Et ça a bouleversé leur vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des baptêmes. Comme nous en aurons également le mois prochain. Alors, nous devions en avoir 4 ou 5, et puis finalement, certains ont préféré le 24 décembre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, du coup, on n'en aura que 3, et on en aura, je crois, 5 ou 6 le mois prochain. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de connaître justement ce que ces amis ont vécu. Juste une expérience incroyable. Une expérience que nous-mêmes, nous avons vécue un jour et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une église, nous sommes ici. Alors que rien ne nous appelait à, je dirais, participer à la vie d'une église, à fréquenter une église. Mais voilà, il s'est passé cet événement juste incroyable. Alors, je ne veux pas parler de vous, je ne veux pas parler de moi. Mais j'aimerais qu'on prenne quelques minutes. Nos amis ont enregistré une petite vidéo, puisque vous savez, nous avons 2 cultes, et pour que chacun puisse découvrir ces personnes qui ont fait une expérience avec Christ et vous puissiez connaître leur engagement spirituel avant de les baptiser tout à l'heure. Eh bien, ce matin, nous aurons Charlène, nous aurons Manon et nous aurons Monica qui s'engageront dans les eaux du baptême. Et je vous propose d'écouter justement le témoignage de Charlène. Non, ce n'est pas celle qui est ici. On a plein de Charlène maintenant. Et on bénit Dieu pour ça. Alléluia. Mais c'est une autre Charlène qu'on va vous présenter maintenant. Et on va regarder et écouter son témoignage. Bonjour, je m'appelle Charlène et voici mon histoire. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne protestante. Donc, j'ai eu une enfance stable, sans réel problème. Et j'ai grandi quand même dans la présence du Seigneur, mais sans réellement le chercher personnellement. C'est seulement vers le mois de mai 2022 que j'ai entendu parler d'une église, grâce à ma mère, parce qu'à l'époque, j'habitais en Île-de-France, qu'elle m'a conseillé et j'y suis allée et j'ai découvert un tout nouvel évangile, un évangile qui vraiment nous réveillait, qui nous boostait à vraiment avoir une relation stable avec le Seigneur, à le connaître en profondeur, à vraiment grandir en fait avec lui tout simplement. Et dans la foulée, j'ai donné ma vie au Seigneur du coup dans le mois de mai 2022. Faut aussi savoir que l'année 2022 était l'une des années les plus compliquées de ma vie, donc c'était vraiment une période assez sombre jusque la fin 2022 où vraiment j'étais vraiment tombée au plus bas. Et c'est seulement vers le mois de mars à peu près 2023 que j'ai décidé de tout abandonner entre les mains du Seigneur, et ça a été la meilleure décision. Vraiment, j'étais allongée dans mon canapé, j'ai vraiment senti le Seigneur qui m'a appelée à revenir à lui et à lui à lâcher prise et à tout remettre entre ses mains, et c'est ce que j'ai fait. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Enfin, vraiment, je me suis relevée de toute cette épreuve et gloire à Dieu. Donc, j'avais déménagé à Reims pour mes études fin 2022, donc septembre 2022, et c'est seulement en mars-avril que j'ai retrouvé une église, donc c'est l'église MCE. J'en avais visité d'autres avant, mais c'est vraiment ici que j'ai senti qu'était ma place. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Et voilà, j'ai une relation bien plus stable avec le Seigneur. Et c'est pour ça que j'ai conscience maintenant qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et que je veux le suivre toute ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de me baptiser. Je m'appelle Charlène et c'était mon histoire. Alors, Charlène n'est pas là pour l'instant, elle sera là tout à l'heure pour le deuxième. Je crois qu'elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là, voilà.
Ils seront là tout à l'heure. Voilà une première expérience de vie, une première découverte. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a des personnes qui viennent vraiment de toutes sortes de milieux différents. Cela veut dire que le cheminement par lequel Dieu les interpelle, comme il nous a interpellés, est à chaque fois différent. Mais l'objectif et la destinée est la même. Et le fruit que cela porte, cette stabilisation, cette paix, cette sérénité que nous retrouvons, cette confiance en la vie, aux autres également, eh bien, tout cela, ce sont des fruits qu'apporte cette découverte avec l'Évangile. Je vous propose d'écouter le témoignage de Manon, maintenant. Et elle aussi, elle a fait une expérience particulière, pourtant n'ayant aucune prédestination, dans le sens où une famille qui ne croyait pas forcément, qui n'avait pas d'engagement sur le plan spirituel, et pourtant Manon va découvrir également le Seigneur. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé dans sa vie. Bon, petit problème technique apparemment. Alors, si on n'a pas de son, si un peu... Ah, si, ça va venir. Bonjour, je m'appelle Manon et voici mon histoire. Je suis issue d'une famille totalement athée, donc dans toute mon enfance, j'ai eu aucune connaissance de Dieu, ni de Jésus, ni de quelconque religion. Et j'ai toujours eu le même groupe d'amis durant toute ma scolarité. Et ce groupe d'amis, il y avait des copines chrétiennes dans ce groupe. Et très souvent, quand on était ensemble et qu'on passait du moment ensemble, on parlait souvent des histoires de la Bible, un peu de Dieu. Et ça m'a toujours un peu interpellée. J'ai toujours senti que j'étais appelée par ces histoires, que j'y croyais, que c'était la vérité. Donc un jour, je dis à une de mes amies que Dieu m'appelle, que Jésus m'appelle et que j'ai envie d'y croire et d'approfondir ma relation avec lui. Et par la suite, on commence à aller à l'église. Donc on va dans une église à Paris. Ce jour-là, j'ai vraiment été vraiment en paix avec moi-même. J'ai senti vraiment la présence de Dieu dans ma vie. Et c'est ce jour-là que j'étais convaincue que j'avais choisi la bonne voie, que j'avais choisi la vérité et que c'était là où était ma place donc dans la religion chrétienne. Par la suite, j'ai été acheter une Bible, un carnet et j'ai du coup commencé à lire la Bible, à m'informer dessus, à apprendre. Du coup, j'ai commencé à découvrir la foi chrétienne et toutes les histoires. Ça m'a vraiment touchée et j'ai vraiment été interpellée. Et en 2023, j'ai été sur Reims pour les études. Donc toujours avec cette amie qui m'a suivie pendant tout le processus. On passait en bus devant l'église MCE. Elle était ouverte, c'était un mardi soir. Et on voulait vraiment chercher une église qui nous convienne et qui nous affectionne. Donc on est arrivé sur AMCE et on a entendu le culte, ça nous a touchés. Mais on n'était pas encore convaincus, donc on a essayé de faire le tour des autres églises sur Reims. Mais rien nous a forcément touchés. Donc on est revenu ici, on a été intégrés par la jeunesse. Et c'est devenu du coup notre église, là où on vient. Tout le temps, tous les dimanches et tous les mardis. Donc quand je suis arrivée sur Reims, je débutais dans la foi chrétienne et à côté de ça, mon comportement n'était pas encore bien, n'était pas encore juste. Et je continuais à pécher, je fumais. Et un jour, tout en continuant à approfondir ma relation avec Jésus, j'ai compris que certaines de mes actions n'étaient pas bien. Et j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter de fumer et de comprendre que mes addictions n'étaient pas bonnes pour moi. Et Dieu m'a vraiment beaucoup accompagnée pendant cette, euh,
pendant cette période de ma vie et il m'a permis vraiment de plus jamais retoucher à une cigarette. À partir de ce moment-là, j'ai su que Jésus avait totalement changé mon intelligence et que mes comportements étaient devenus tels qu'il le voulait et tels qu'était la volonté qu'il avait voulu pour moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me faire baptiser et de vraiment devenir une personne nouvelle et de renaître avec Dieu et avec Jésus qui a été mon Seigneur et mon Sauveur et qui m'a aidée pour tous les combats que j'ai eus et tous les combats que j'aurai dans ma vie. Jésus a été le seul à prendre ma douleur et à comprendre ce que je ressentais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire connaître l'amour de Dieu à travers mon témoignage et à travers la personne que je suis devenue aujourd'hui grâce à Dieu. Et voilà, je m'appelle Manon et voici mon histoire. Voilà Manon, son histoire, sa vie, et donc dans quelques instants, nous aurons la joie de la baptiser aussi. La troisième personne, c'est encore une femme que nous allons présenter ce matin. Elle s'appelle Monica. Monica, elle a eu un cheminement vraiment particulier. Vous écouterez son témoignage dans un instant. Il est un peu plus long que les autres parce qu'elle est un peu plus âgée que les autres. Et donc, elle a plus de vécu que les autres. Mais Monica revient vraiment de loin. Elle avait découvert à une époque l'Église ici, et puis différentes choses l'ont amenée à quitter le chemin qu'elle avait commencé à engager. Et puis il y a un an et demi à peu près, deux ans, sous l'impulsion de Dieu et de ce que le Seigneur a commencé à continuer de mettre en place dans sa vie, elle est revenue vraiment entièrement à Jésus-Christ. Et elle a vécu vraiment une expérience incroyable. Quand on écoute l'expérience de Monica, on a l'impression de plonger dans les évangiles et de se rappeler lorsque Jésus circulait dans les villes et les villages et qu'il parlait aux pécheurs, aux pécheresses de sa génération. C'est exactement ce que le Christ a encore fait aujourd'hui dans la vie de Monica. Je vous invite à regarder son témoignage maintenant. Bonjour, je suis Monica et voici mon témoignage. J'avais 15 ans quand mes parents ils ont connu Jésus, en vérité. Et je dis en vérité parce que nous venons d'une famille catholique, très, on va dire, coutumée à la messe, à les saints, à la Vierge Marie. Il y a plein de traditions que les Espagnols, quand ils ont colonisé le Pérou, ils ont apportées. Et donc mes parents, ils avaient, comme je vous dis, j'avais 15 ans quand mes parents sont rencontrés Jésus. Et c'était toute une catastrophe dans la famille parce que c'était, oh, ils ont changé de religion, la famille s'était bouleversée. Et moi, juste au milieu, j'entendais que mes parents ils commençaient à dire non, maintenant ta vie a changé et tout ça. Mais comme des nouveaux chrétiens, ils ne savaient pas trop exprimer ce qu'ils ressentaient. Et moi, juste au milieu, j'avais 15 ans, comme je dis. Et moi, j'avais envie de sortir, ça m'attirait les fêtes, ça me sortait les discothèques, à faire des amis. Et je le vois à eux comme des nouveaux chrétiens qui ils voulaient faire plein de choses. Ah non, maintenant, on ne boit plus de l'alcool, on ne fume plus, on fait plein de choses. Donc, ils disaient, oh, votre avis, ça ne m'intéresse pas, ça m'ennuie vraiment, ce n'est pas pour moi. Et en fait, j'ai commencé à faire ma vie, à continuer à sortir, à, on va dire, flirter avec l'alcool. M'a découvert aussi très, très tôt dans l'âge avec la drogue, parce que c'était bon, parce que c'était la fête, parce que c'était, voilà, c'était la jeunesse, l'effervescence de la, me dit, de réveiller à la vie, en fait, ce que je croyais que c'était la vie. Et en fait, toute cette vie, jusqu'à 23 ans, que j'ai eu l'opportunité d'immigrer en Europe, initialement en Italie. Et comme tout immigrant, je passais par un chemin très très dur parce que c'était en 1996, ce n'était pas encore la communauté européenne. Donc toutes les frontières s'étaient fermées et au départ, je suis arrivée en Allemagne et après j'ai fait un long chemin pour arriver en Italie. J'ai passé des dangers qu'on ne peut pas imaginer, même dignes d'un film, parce que je me suis jetée d'un train pour évader les frontières.
Je suis passée cachée dans les camions pour évader justement une frontière. Donc, bref, j'ai trouvé en réalité que ce n'était pas là que j'avais imaginé. Et j'ai fait connaissance d'une fille qui m'a dit, tu sais, tu peux gagner beaucoup d'argent, arrête de galérer, cherche du travail. Et donc, en fait, elle m'a mis en fait, la pile d'incursionner dans le monde de la prostitution. Elle m'a dit, tu vas voir, c'est excellent, tu vas avoir des beaux gosses, tout ça se passe bien. J'avais 23 ans et moi, je galérais pour l'argent. Elle m'a dit, tu es belle, tu pourras faire plein d'argent. Donc, un jour, elle m'a dit, vas-y, on y va. Jamais oublier le jour que je suis arrivée à la première nuit que je sortais à travailler. Il m'a passé plein de choses, entre être perdue dans la ville, avoir un accident de préservatif avec un client. En fait, je réveille chez moi en disant peut-être je suis malade. La première nuit, c'est pas possible qu'il m'arrive ça, mais bon, m'est arrivé ça. Mais à la place de me décourager, cette façon d'arriver à gagner l'argent, pas facile, parce que dans ce milieu, on pense que l'argent, on gagne facilement, mais c'est pas facile, sinon c'est rapide. Ça m'a enchaîné vite fait dans l'ambition d'avoir soif et envie d'avoir plus d'argent. Et en fait, c'est ça qui est arrivé le mois de juillet. Et ma copine me dit, il faut que je s'en aille d'Italie. Parce que juillet, août, il n'y a personne en Italie. Tout le monde part en vacances, on ne pourra pas travailler. Donc elle m'a dit, allez, on s'en va à Paris. À Paris, tout ça, c'est ouvert tout le temps. Il n'y a rien qui ferme. Et on a commencé à travailler au départ dans les bars. Et après, elle m'a dit, on y va à Bordeaux-Boulogne, on va gagner plein d'argent, tu verras. Et en fin de compte, ma vie est enchaînée comme ça. Et tout ce temps-là, depuis 1996 jusqu'à l'année 2002, qu'on a commencé à aller dans les villes sorties de Paris, parce qu'en disant qu'on gagnait plus en province, on a commencé à sortir. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai atterri à la ville de Reims. Et depuis que je suis arrivée à Reims, je ne sais pas pourquoi cette ville, depuis toutes les villes que j'avais faites, ça m'a plu. Et je dis, ben, je veux rester ici. Je quitte Paris définitivement et je reste dans la ville de Reims. Et en fait, c'est là qu'est 2002, c'était le jour où je suis arrivée à Reims. Et en l'année 2008, mes parents venaient en vacances parce que mes parents, comme ils résidaient au Pérou, ils venaient pour rester 3 mois avec ses enfants. Nous sommes 3 enfants. Et le mois qu'ils sont venus à passer à Reims avec moi, il y avait quelque chose d'étrange pour moi qui commençait à arriver. Je ne savais pas pourquoi, j'avais un sentiment bizarre en moi qui changeait. Et mes parents, quand nous sommes arrivés ici, à Reims, m'ont proposé un jour de me dire, « Est-ce que tu veux lire la Bible avec nous ?» Jusqu'à là, je fais une petite parenthèse, mes parents, pour moi, chaque fois qu'ils sortaient la Bible, c'était « niet », c'était « non, je ne veux pas ça, vous m'ennuyez avec ça, gardez ça ». C'était vraiment tout le contexte que je pouvais imaginer. Et mais là, bizarrement, mes parents, là, ils me proposent, je n'avais aucun de moi quelque chose qui me disait oui. Et je dis oui, ok, on va lire. Et c'est là que on commence avec l'évangile de Jean. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer ce vrai Jésus. Que cette façon d'agir, cette façon de voir les choses comme tout le monde en pensait, c'est vraiment un Jésus que je ne connaissais pas du tout. Et qu'on commençait à lire chaque jour un chapitre des gens. Et ça passait comme ça un mois. Et mes parents, à la veille de partir rentrer au Pérou, ils m'ont dit, on peut prier avec toi. Et je lui ai dit, ok. Et celle-là, on a prié. Et mes parents m'ont posé la question, mon père, nettement, m'a posé la question, est-ce que tu voudrais savoir à Jésus comment te recevoir et ton Seigneur? Et en ce moment, ils ont passé des secondes dans lesquelles il y avait une voix qui me disait, non, tu ne dois pas accepter, tu es prostituée, Dieu ne t'aime pas, tu as trop péché, comment tu vas travailler, comment tu vas survivre. Et d'un autre côté, il y avait un petit voix qui me disait, accepte, tu as besoin. C'est à ce moment que je ne sais pas comment ma voix s'est levée et dit, oui, j'accepte. C'est à ce moment-là que j'ai prononcé ces paroles, oui, j'accepte. Je tombais par terre et je commençais à pleurer d'une façon que je jamais avais senti. Il y a quelque chose comme qui était cassé en moi. Il y avait quelque chose qui arrivait, une chose miraculeuse. Pour moi, c'était une chose que je ne comprenais pas, qu'est-ce qui m'arrivait. Et en même temps, je sentais un soulagement dans ma vie, une paix que je jamais avais connue jusqu'avant.
comment dire, être satiée, remplie de quelque chose qui remplit tout mon être. Et c'est là que pour moi, c'était quelque chose qui a marqué ma vie avant et après. Le lendemain, j'ai allumé une cigarette et j'ai senti une voix très douce qui m'a dit « Éteins ça, c'est pas pour toi ». Et c'est là depuis 4 novembre 2008 que c'était ma conversion, que je n'aimais plus allumer une cigarette. Et les choses que je pense qui étaient plus nocives pour moi se sont arrêtées à ce moment-là. Le consomme d'alcool, des drogues, des cigarettes. Mais il y avait des choses dans ma vie qu'il fallait faire face. Comment la continuité de mon activité de prostitution. Mes parents sont partis, ils m'ont dit « Seulement on peut te dire que maintenant tu vas expérimenter une nouvelle naissance spirituelle. Et que ton vie, là je vois que ton vie, et j'avais envie de manger la Bible, j'avais une soif de la parole que je ne comprenais pas pourquoi j'avais tellement attirance à ce livre. » Et mes parents sont partis, et je continue à avoir le rythme qu'on avait, un chapitre par jour, un chapitre par jour. Je me trouvais des moments d'être avec tant de clients et en lisant ma Bible. Voilà des choses qui, pour moi, c'était une chose que je ne comprenais pas, parce qu'avant de connaître Jésus, on n'a pas conscience du péché. Et après qu'on connaît Jésus, c'est pour ça que je dis, en avant et après, on a conscience du péché, et le péché, ça fait mal. Et encore, on connaît Jésus, on signait aussi une guerre spirituelle avec quelqu'un qui va nous accuser, qui va nous décourager, qui va nous dire, bah, alors, c'est quoi, quel Dieu tu pries? C'est quoi le Dieu que tu aimes? Qui maintenant tu fais ça? Regarde, qu'est-ce que tu fais? Ta vie, elle n'a pas changé. Tu es la même. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, non. C'est pas, tu ne l'as pas halluciné, c'est vraiment réel ce qui est arrivé. Et je continuais à prier, Et j'avais seulement envie de dire, basta à cette vie. Mais comme tous les péchés et tous les attachements que nous avons avec les choses du mal, ils prennent des racines. Et ma vie était très enracinée dans la prostitution. Donc, des longues années encore dans ce milieu. Mais en sachant qu'il y avait Dieu et Jésus qui étaient avec moi. Et qu'il y avait une chose qu'il y avait en moi qui n'était pas pareil. Pendant un moment que j'avais envie de baisser le bras, il dit, vas-y, je vais continuer à faire la fête, à boire de l'alcool. Rien n'est passé, mais j'avais envie de continuer et de persévérer. C'est jusqu'à là que j'ai rencontré le MCE. Je vais commencer à venir en cette église. Mais des épisodes qui sont passés, j'ai arrêté de venir. Je me suis éloignée, comme beaucoup de frères et de sœurs, qui dans la vie chrétienne, on se soulève, on tombe, on s'éloigne. Et c'est que l'année dernière, j'avais envie d'arrêter cette vie de prostitution. Je priais au Seigneur, dites-moi, qu'est-ce que tu as envie que je fasse de cette vie? Je veux te servir, je veux être pour toi. Et le Seigneur me disait, attends, tu verras que je vais trouver les portes pour quelque chose de bien. Et l'année dernière, je connaissais une association qui est venue à donner soutien à les personnes qui sont en prostitution. Et cette association, en parlant avec eux, je les avais raconté que pendant la pandémie, j'avais commencé une formation pour devenir sexologue. Elle m'a dit, c'est super intéressant, Monica, est-ce que tu veux travailler avec nous? Et c'est là qu'elle me dit, c'est excellent, pourquoi pas? Et c'est là que l'année dernière, on a signé un contrat. Maintenant, je aide à des personnes qui sont dans la même situation comme j'étais. C'est là la meilleure façon de comment je comprends que Dieu et Jésus, qu'on arrive dans notre vie, il y a un processus de changement qu'il faut passer. Des fois, on peut dire, Seigneur, aide-moi. Mais il n'y a pas de réponse, c'est parce que lui travaille dans notre vie. En ce moment, ma vie elle a changé et je pense que la vie des autres personnes qui ont écouté ce témoignage, il va changer aussi. C'est pour ça qu'après 15 ans, même c'est incroyable, même le pasteur l'avait dit, après 15 ans, oui, le temps du Seigneur sont parfaits. Après 15 ans, aujourd'hui, je veux m'engager avec le Seigneur, avec le baptême et le suivre pour toujours. Voilà, Monica, et voilà mon témoignage. À Dieu. Tu es bon, hein? La Bible nous dit qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés, il y a simplement des hommes et des femmes qui ne suivent pas la volonté de Dieu. Et qu'à cause de cela, nous serons tous un jour condamnés.
si nous ne revenons pas au Seigneur. Et nous sommes tous concernés par cela. Ça fait plus d'un an et demi maintenant que je suis Monica, et je peux vraiment vous dire, sa vie a changé. C'est plus du tout la même femme. Et ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est juste extraordinaire de pouvoir venir au soutien de femmes qui étaient comme elle avant et qui aujourd'hui eh bien, lui demandent du secours et lui disent « Mais comment t'as fait pour changer ? Comment t'as fait pour passer de l'autre côté de la barrière ?» Et c'est la porte ouverte, vous comprenez ? À pouvoir témoigner en disant que seul, c'est souvent impossible. Et par la grâce de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. C'est juste quelque chose d'incroyable. J'aimerais partager un texte de la Bible avec vous après ces différents témoignages. Et j'ai voulu titrer un petit peu ce message « Pourquoi chercher Dieu aujourd'hui ?» Pourquoi le chercher ? Pourquoi le connaître ? Pourquoi le découvrir ? Je vous invite à lire avec moi dans Ésaïe, au chapitre 55 et le verset 6, et de pouvoir prendre un moment sur la compréhension de ce que Dieu peut-être veut faire encore ce matin au milieu de nous. Dans ce texte, il est dit, je le lis dans la version S21, second 21 révisé, « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voies sont bien plus, sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Eh bien, il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie ce matin. Alléluia. Vous sortirez dans la joie, même ce matin, encore ce matin. Alléluia. Vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrte. Et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Amen. Ce texte est incroyable. Vous savez pourquoi ? Non parce que simplement il est extrait de la Bible, mais il est incroyable parce qu'il a été écrit plus de 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et Ésaïe a proclamé ces paroles, annonçant déjà, plus de 700 ans avant, qu'une solution au péché de l'humanité allait arriver. Il révèle, au travers de ses prophéties, eh bien, la venue du Messie. Il donne des indications précises quant à la conduite que nous devons avoir à tenir afin de pouvoir rentrer dans cette promesse extraordinaire. Et vous avez remarqué, la première chose qu'il commence à dire au début de ce chapitre, c'est « rechercher l'Éternel ». Ça veut dire que la Bible nous enseigne qu'il y a un acte volontaire, il y a une décision que nous devons prendre, une recherche personnelle. C'est une recherche pour connaître, pour découvrir. Mais l'Éternel, qui est l'Éternel ? Qui est ce Dieu ? Est-ce une invention humaine ? Est-ce quelque chose que nous ne comprenons pas ? Est-ce l'opium du peuple, comme certains ont voulu le dire ? Est-ce un besoin, tout simplement, que des hommes et des femmes ont besoin de comme s'attacher à une croyance ou à une foi ? Certains m'ont dit souvent, mais vous savez, si aujourd'hui des hommes et des femmes croient, c'est tout simplement parce qu'ils sont faibles. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, voyez. Parce que pour avoir la foi aujourd'hui, il faut plutôt être fort.
Il faut plutôt être convaincu. Parce que la foi dont l'Évangile nous enseigne, c'est également sur le plan moral, sur le plan de la mentalité, quelque chose qui est à contre-courant de notre société aujourd'hui. La Bible déclare que l'Éternel, c'est le Dieu créateur, celui qui a créé notre monde, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui a créé l'être humain, l'homme, la femme, les animaux, la végétation, toutes ces choses. Il a donné la vie. Alléluia. La Bible nous dit que sans lui, cet équilibre incroyable qui précise, je dirais, un dixième de millimètre près que l'homme, malheureusement, est en train de détruire. Eh bien, sans lui, toutes ces choses n'existeraient pas. Il est un Dieu qui aime sa création. Cherchez l'Éternel. Est-ce qu'on peut mettre le premier verset, s'il te plaît ? Voilà, passe encore, s'il te plaît. Premier point. Ça va arriver. Premier chapitre, s'il te plaît. Recherchez l'Éternel. Merci. On y arrive. Mais qui est-il ? Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous savez qui il est ? Il est celui qui nous aime. Il est celui qui a des projets pour nous. Il est celui qui veut changer nos cœurs. Il est celui qui veut changer nos vies. Il est celui qui veut nous amener dans une nouvelle dimension. Il est celui qui a une compassion toute particulière pour chacun d'entre nous. Maintenant, où rechercher l'Éternel ? Où le trouver ? Vous avez remarqué qu'il y a une notion dans le verbe « rechercher » qui est intéressante. Le dictionnaire nous dit que « rechercher », c'est chercher à connaître ce que nous ne connaissons pas. C'est établir une relation avec quelqu'un que nous ne connaissons peut-être pas encore. C'est définir ce qui n'est pas connu ou ce qui est mal connu. Il y a tellement de sources aujourd'hui où on peut entendre des choses sur le domaine spirituel, où, soi-disant, nous pouvons trouver une certaine affection, quelque chose qui pourrait nous correspondre. Il y a tellement de monde qui parle aujourd'hui de Dieu, qui, au nom de Dieu, va vouloir ou vont vouloir faire toutes sortes de choses, mais qui, en réalité, ils ne le connaissent pas. Il y a un livre par excellence qui nous parle véritablement de Dieu, de sa création et de ce qu'il a accompli. Ce livre s'appelle la Bible. Et je vous amène vraiment à le découvrir, à connaître ce livre, et à ne pas simplement le lire d'une manière, littérale, mais à découvrir tout simplement d'une manière spirituelle également ce livre, se laissant tout simplement inspirer pour découvrir. Aujourd'hui, tellement de gens sont à la recherche de spiritualité, parce qu'ils sont dans l'incertitude, parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde tellement bouleversé, et nous le voyons au quotidien. Beaucoup d'hommes et de femmes sont dans l'incertitude, dans le questionnement, dans les échecs de leur propre vie. Ils cherchent des explications, ils cherchent des buts, ils cherchent des compréhensions, ils cherchent des objectifs au travers d'une certaine présence, peut-être un soutien, une manifestation. Alors il y a toutes sortes de choses ésotériques aujourd'hui qui se développent. Et ce, depuis déjà des années. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous recherche, nous demande de rechercher. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous puissions vraiment découvrir. Dieu nous donne simplement un conseil. Il nous dit, revenez à la source. Revenez à la source. Et la source, c'est quoi ? Il suffit simplement de faire un peu d'histoire pour retrouver ce Dieu créationniste qui va développer. Revenez à la source, retrouvez cette espérance. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel de tout votre cœur. Découvrez ce qu'il a à proposer. Découvrez-le au travers de son plan, de son action, jusqu'à avoir donné Jésus-Christ, afin que nous puissions être libérés. Comment le trouver ? Il faut commencer par chercher. Et si vous êtes là peut-être ce matin, ou que vous nous suivez en ligne, eh bien peut-être que vous avez déjà ce désir de chercher, de mieux comprendre, de mieux connaître. Et quand nous sommes dans cette expérience de vie, j'aimerais vraiment vous dire que oui, Dieu se révèle. Dieu va se manifester. Attendez-vous à lui. Parce que lorsque nous parlons, lorsque nous attendons à lui, lorsque il nous entend, il nous écoute. C'est pour cela qu'il est dit au verset 6, « Faites appel à lui. » Une autre version dit « Invoquez-le. » Parce que Dieu est à notre écoute.
lorsque nous lui parlons avec sincérité. Il n'est pas un Dieu sourd, il n'est pas un Dieu aveugle, il n'est pas un Dieu indifférent à notre situation, à notre vie quotidienne. Non, j'aimerais vous dire que le Dieu que nous connaissons, le Dieu que ses amis ont découvert en rendant ce témoignage tout à l'heure au travers de la vidéo, c'est un Dieu qui a des yeux et il voit. Il voit ta vie, il voit ton cœur, il voit tes souffrances, il voit tes interrogations, il voit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Il voit également ce que tu cherches. Dieu a des oreilles, non simplement il te voit, mais il t'entend. Il t'entend quand tu soupires, il t'entend quand tu cries à lui, il t'entend lorsque tu gémis, il t'entend lorsque tu dis « je ne comprends pas », il t'entend quand tu lui dis « j'en ai marre de cette vie ». Il t'entend. Il sait qui tu es. J'aimerais juste préciser que non simplement il a des yeux, il a des oreilles, mais il a aussi une bouche. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es conscient que Dieu te voit et qu'il t'entend, il peut aussi te parler. Comme il le fait par exemple ce matin. Dieu parle de mille et une manières différentes. Dans notre vie, il peut interagir de mille et une manières différentes pour montrer tout simplement qu'il est présent. Peut-être que tu as mis ça, des choses qui se sont passées dans ton existence sur le coup du hasard, ou de la chance, ou de dire « ah là j'ai eu un coup de bol ». Et si c'était tout simplement la main de Dieu qui se manifestait ? Parce que non simplement il parle, mais il a des mains. Cela veut dire qu'il agit, qu'il se manifeste, qu'il œuvre encore aujourd'hui. Il n'est pas un Dieu que nous retrouvons simplement sur une croix, crucifié. Il n'est pas un Dieu que vous allez pouvoir peut-être voir, si on nous le permet encore aujourd'hui, dans une petite crèche, simplement étant un bébé. Non, il est né, il est venu dans ce monde. Il a accompli un ministère extraordinaire. Et puis ensuite, il s'est donné sur la croix. Parce qu'il fallait qu'il meure, parce que c'était là le projet de Dieu, afin que le sacrifice parfait puisse s'offrir pour l'humanité. Afin que toi et moi, ce matin, nous puissions être dans ce lieu pour pouvoir entendre sa parole, son évangile, afin que justement nos péchés soient pardonnés et que nous puissions avoir un changement de destinée, celle de la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il a prévu toutes ces choses. Il est possible de faire appel à lui encore aujourd'hui. Il est possible que tu parles encore au Seigneur, que tu puisses l'invoquer, le prier, lui parler, lui faire connaître tes besoins, soumettre tes difficultés, tes faiblesses. Ce n'est pas un Dieu lointain, il est tout près de nous. Il est là. Je ne suis pas en train de vous annoncer une nouvelle religion, une nouvelle philosophie. Je suis en train de vous annoncer que dans votre vie, vous pouvez avoir une nouvelle relation. Une nouvelle relation avec Dieu. Une nouvelle intimité avec lui, parce que vous pouvez vous approcher de lui aujourd'hui. Rencontrer le Sauveur, parce que Jésus est venu sur cette terre pour sauver les pécheurs. Nous devons comprendre ceci. Nous sommes tous des pécheurs et des pécheresses, n'est-ce pas ? Nous avons tous péché, et d'une manière ou d'une autre. Vous avez remarqué que quand nous naissons, même si nous avons des super parents, personne ne nous apprend à faire le mal. Mais de manière instinctive, on commence à faire des choses qui ne sont pas bien. C'est vrai ou pas ? Vous pouvez mettre des enfants dans un milieu extrêmement protégé, leur apprendre que les choses qui sont positives, bonnes, mais quelque part, à un moment donné, vous ne pourrez jamais maîtriser, par exemple, la jalousie, l'envie, le mensonge, la culpabilité, toutes sortes de choses qui sont là que vous n'apprenez jamais à un enfant et qui pourtant viennent à un moment donné, elles sont là. Et elle commence à détériorer notre vie. Elle commence toutes ces choses à détériorer les relations que nous pouvons avoir avec d'autres personnes. Parfois, c'est même dans notre couple, dans la relation avec nos enfants ou avec des gens que nous avons sur le lieu du travail, peu importe. La Bible nous dit que Jésus est venu pour restaurer tout cela parce que ça s'appelle le péché. S'il ne se passe rien dans notre vie, si nous ne prenons aucune décision, notre destinée, et cet endroit où la Bible nous dit que Dieu sera exclu, Dieu ne sera pas présent, certains l'appellent l'enfer. L'enfer, c'est tout simplement un lieu où Dieu n'est pas présent. Et quand Dieu n'est pas présent, Dieu qui est la lumière, alors il demeure simplement les ténèbres. Maintenant, la Bible nous dit que nous pouvons changer de destinée. Parce que Jésus a donné sa vie
comme je viens de le dire. Il est mort sur la croix. Il a donné son existence afin que nous puissions être sauvés de l'enfer. C'est pour ça qu'on l'appelle notre sauveur. Parce qu'il nous a sauvés de cette destination qui pouvait être terrifiante. De quelle manière ? Tout simplement parce qu'il nous a dit « Si vous me demandez pardon pour vos péchés, je vous pardonnerai. » Ce n'est pas plus compliqué que ça. Quand les gens me disent « Mais pasteur, la Bible c'est compliqué, l'évangile c'est compliqué à comprendre. » C'est tellement simple. La Bible dit « Si tu te considères pécheur ou pécheresse et que tu confesses tes péchés à Christ, alors il te pardonne et il te permet d'entrer dans cette vie éternelle. » Non simplement la vie et ta destinée éternelle va changer, mais ta vie ici-bas va changer également. Ça fait plusieurs mois que je suis Charlène, Manon, Monica et bien d'autres qui vont se faire baptiser prochainement et d'autres qui sont en cours de préparation baptême. Et je les ai vus arriver ici. Je les ai connus. J'ai discuté avec elles, les uns, les autres. Et puis, je vois leur vie aujourd'hui. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Elles ne vivent plus les mêmes angoisses, les mêmes craintes. Elles sont dans la sérénité, dans la confiance. Je ne dis pas qu'elles n'ont plus de problèmes, parce que chacun d'entre nous, nous aurons toujours des problèmes. Parce que la vie est là. La vie n'est pas simple, la vie est difficile. Et les vicissitudes de la vie sont là, présentes, et nous devons tout simplement y faire face. Mais la grande différence lorsque nous marchons avec Christ, c'est que dans cette vie aujourd'hui, on n'est plus seul. Mais il a fait la promesse de marcher avec nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, vous avez la possibilité d'obtenir cette promesse de la présence de Dieu. Parce qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et chacun peut entrer dans cette nouvelle perspective, chacun peut entrer dans cette nouvelle destinée en lisant son livre, la Bible, en découvrant tout simplement ce qui est écrit. Vous allez réaliser qu'il nous annonce dans ce livre extraordinaire une destinée complètement formidable pour chacun d'entre nous. Oui, avec des moments difficiles, compliqués, c'est vrai. La Bible nous parle de ce qui se passe en ce moment sur le plan prophétique. La Bible nous parle de toutes ces guerres qu'il y a dans le monde, et pas simplement à Gaza ou en Israël. Mais la Bible nous parle aussi d'Israël. La Bible nous parle de tout ce qui doit se passer dans ces derniers temps. La Bible nous parle de tous ces événements climatiques que nous traversons. La Bible prophétise sur ces choses. Elle nous enseigne. Mais la Bible nous dit également qu'au temps fixé, Jésus va nous faire la promesse de rechercher les siens. Son Église. Alors ne tardez pas, recherchez-le, la Bible nous dit, invoquez-le, parce qu'il est dit, recherchez-le, verset 6, tant qu'il est prêt. Ça annonce qu'il y a quelque chose qui à un moment donné va s'arrêter, n'est-ce pas ? Tant qu'il est prêt, tant qu'il est là, tant que c'est possible, parce qu'il arrivera un temps où on ne pourra plus le trouver, le Sauveur. Il arrivera un temps où ça sera trop tard. Il arrivera un temps où Jésus sera revenu, et là, c'est fini. Et quand je ne suis pas en train de parler de la fin du monde, parce que le monde va continuer, mais les prophéties bibliques que nous avons, elles sont terrifiantes quant à ce qui va se passer après. Alors vous allez me dire, oui, mais des prophéties, tout le monde en a donné, Nostradamus et bien d'autres. C'est vrai qu'on a eu toutes sortes de clowns qui ont essayé de donner toutes sortes de prophéties. Certaines, bien sûr, se sont peut-être accomplies, puis d'autres ne se sont toujours pas accomplies. Sauf que les prophéties dont moi je vous parle, ce sont des prophéties qui sont issues de la parole de Dieu. Et vous savez quoi ? Si vous êtes juste honnête avec ce livre-là, vous allez vous rendre compte que plus de 95% de toutes les prophéties de la Bible se sont accomplies à ce jour. Avec une exactitude juste incroyable. Il y avait des choses, quand elles étaient annoncées, les peuples même de l'époque, et on retrouve ça dans des livres historiques, disaient « Mais non, ça c'est impossible que ça puisse arriver. » Quand il y a eu des prophéties qui disaient à une certaine époque que Babylone, parce que Tyr et Sidon, pas Babybel, c'est pas le même, hein, c'est un autre. Hein. Quand vous avez des villes comme Tyr, ça permet d'étendre un peu l'atmosphère comme ça. Hein. Quand vous avez des villes comme Tyr et Sidon, quand vous avez des villes comme Babylone et autres, c'est comme si vous disiez aujourd'hui, New York va disparaître. Paris, la grande capitale, dans quelques mois, il n'y aura plus rien. Vous allez dire, mais c'est pas possible.
C'est impossible. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Puis à l'époque, il n'y avait pas la bombe atomique, n'est-ce pas? À l'époque, il n'y avait pas toutes ces choses que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, c'est même pas la peine de regarder la Bible. Regardez l'histoire. Reprenez des livres historiques et remontez simplement le cours de l'histoire depuis 6000 ans. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, tout ce que la Bible décrivait est accompli. Alors vous savez, moi je ne suis pas très intelligent. La preuve, hein, vous voyez, je confonds Babylone avec Babybel. Mais comprenez ceci. Des fois, je me dis tout simplement, si plus de 95% aujourd'hui des prophéties bibliques se sont accomplies, qu'est-ce qui empêche Dieu d'accomplir les 5% restants? Avec la même précision, avec la même exactitude. Et je vais vous sortir un scoop, peut-être ce n'en est pas un pour vous, mais aujourd'hui, notre génération, sans peut-être que vous en rendiez compte, nous sommes en train de vivre les dernières prophéties de la Bible qui est annoncée. Nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Lorsque Christ viendra enlever son Église, le courant de la vie va continuer pendant certains temps. La Bible nous parle de toutes sortes de choses qui doivent s'abattre sur la terre. Ça sera juste terrifiant. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis juste là pour vous dire ce que la Bible nous enseigne. Et pourquoi elle nous parle de cela? Parce qu'elle nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve encore. » Faites la paix avec lui. Découvrez qui est vraiment le Seigneur parce que Jésus revient bientôt. Ne prenez pas le risque de vous retrouver un jour dans cette ville ou ailleurs et de voir simplement le retour de Christ se manifester et de dire en vous-même, mais on me l'avait dit, si j'avais pris cette décision, si je m'étais engagé, si j'avais compris à l'époque, parce que c'est terrible de vivre avec des remords, n'est-ce pas? C'est terrible de vivre avec des regrets. Alors pour cela, il nous faut comprendre les principes de la parole que Dieu nous donne et qu'il nous demande de mettre en place. Et au verset 7, nous avons lu tout à l'heure, il est dit « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. » Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être qu'à la première lecture de ce texte, vous vous dites « De toute façon, moi je suis tranquille, je ne suis pas méchant. » Tellement de gens me disent « Mais vous savez, pasteur, vous avez des gens, oui, qui ont vécu des choses, ils vivent dans toutes sortes de méchancetés, ils sont des voleurs, ils sont des braqueurs, ils sont des prostituées, ils sont des ceci, ils sont des cela. Voilà, ça ce sont vraiment des gens qui pêchent devant Dieu. Nous, on essaye de faire le bien. On donne même des fois un peu d'argent à des associations caritatives. On essaye d'être agréable. C'est intéressant de reprendre le sens étymologique du mot méchant. Parce que lorsque vous lisez le dictionnaire, effectivement, le dictionnaire nous dit que c'est être méchant, c'est le fait intentionnellement de faire du mal à autrui, de blesser quelqu'un, de nuire. On a différents synonymes comme brutal, cruel, dur, féroce, malfaisant, odieux, pervers, sauvage, etc. etc. Et ça vient nous chercher dans le sens où on se dit, ben oui, ça c'est quelqu'un qui est méchant, mais je ne m'identifie pas. Moi, je ne suis pas dans ce truc-là, je ne suis pas dans ce vocabulaire-là, ça ne m'identifie pas. Alors je vous invite à prendre le dictionnaire biblique, pas simplement Larousse, mais celui de Dieu, et de regarder la signification du mot méchant. Et là, vous allez être surpris. Parce que quand vous connaissez la signification de ce mot, particulièrement, on le trouve, ce mot, dans les psaumes, eh bien, cela veut dire tout simplement que Dieu considère comme méchant ceux qui s'opposent à lui et qui désobéissent à sa parole. Ah là, ça réduit l'entonnoir déjà. Hein ? Vous avez remarqué ? Là, il n'est plus question de méchanceté dans le sens « je suis cruel, je suis dur, je veux faire du mal à quelqu'un, etc. » Non, Dieu utilise le mot « méchant » et intrinsèquement, cela veut dire « c'est quelqu'un qui s'oppose à la volonté de Dieu dans sa vie ». C'est-à-dire que Dieu parle, Dieu dit des choses, tu sais là où Dieu veut te voir marcher, et tu dis, non, moi j'en veux pas, je vais marcher là-bas. Et je continue ma vie comme je le veux. Eh bien, Dieu t'appelle méchant. Si tu connais ses préceptes, si tu connais sa loi, si tu connais ses commandements, et que volontairement tu n'appliques pas la parole de Dieu dans ta vie, Dieu dit que tu es un méchant. Et c'est comme ça que nous trouvons dans cette société plein de méchants, qui sont particulièrement sympathiques. Ben oui. Ce n'est pas des gens cruels, ce n'est pas des gens qui font des choses atroces. Non, ce sont des gens que vous croisez tous les jours. Peut-être qu'il y en a là au milieu de nous ce matin.
On se croit juste, on se croit sans faute, sans péché, on se croit même faire du bien. Mais Dieu dit, le bien que moi je te demande, ce n'est pas d'accomplir quelque chose dans un premier temps, c'est est-ce que tu vis selon ma parole ? Est-ce que tu vis selon mes préceptes ? Est-ce que tu vis selon mes commandements ? Alors, de prime abord, on peut être des gens fort sympathiques, et vous êtes des gens fort sympathiques. Mais c'est à chacun d'entre vous de savoir si vous êtes des méchants ou pas. Si nous appliquons la parole de Dieu, si nous la vivons, cette parole, tout simplement. Vous savez, bien des hommes et des femmes sont dans toutes sortes de situations ou des vies qui ne sont pas dans la direction, justement, que Dieu a donnée. Bien des hommes et des femmes, aujourd'hui, ont des pensées, ont des projets qui ne sont pas ceux de Dieu. Et souvent, ils se posent la question de savoir mais pourquoi ça ne marche pas dans leur vie, pourquoi ils sont dans la tristesse, pourquoi ils sont dans l'abattement, pourquoi il y a tellement de choses dans leur vie personnelle, dans leurs relations de couple, dans leurs relations avec peut-être leurs enfants, avec leurs amis, etc., que ça ne marche pas comme ils aimeraient que ça puisse fonctionner. La Bible nous dit que le cœur de l'être humain est corrompu. Alors, je dis, mais non, c'est pas possible. Si. Le cœur de l'être humain est corrompu. Notre cœur, la Bible dit, il est tortueux. Il finit parfois souvent par croire la vérité, alors qu'il vit particulièrement dans le mensonge. On est un peu mytho sur les bords, n'est-ce pas ? Mais c'est le résultat du péché dans notre vie. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, pour ce matin encore, abandonnez vos mauvaises voies. Abandonnez vos mauvaises directions. Quittez le chemin glissant sur lequel vous êtes. Dégagez-vous de ce chemin où vous allez peut-être continuer à vous enliser et que les conséquences seront peut-être terribles parce que toutes ces conséquences sont la pratique du péché et ça vous sépare de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il y a une autre solution. La Bible dit qu'il retourne à l'Éternel et il le punira. Ah, c'est ça ou c'est... Qu'est-ce qui est écrit ? Je voulais juste voir, ça vous réveille un peu ou pas ? Est-ce que vous êtes là ? Qu'il retourne à l'Éternel, pourquoi ? Parce qu'il aura compassion de lui, alléluia. Amen. Non, Dieu n'est pas un Dieu qui punit. Ça, c'est les religions qui ont inventé ce Dieu-là. Mais le Dieu de la Bible, c'est pas un Dieu qui punit, c'est pas un Dieu qui va faire abattre l'enfer sur ta vie, qui va faire abattre la malédiction. Non, Dieu te propose toujours, en premier lieu, sa compassion. Parce que le but de Dieu, c'est de sauver ton âme. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe par ce par quoi tu es passé, peu importe les mauvaises actions que tu as eues jusqu'à maintenant, ce que Dieu veut, c'est sauver ton âme. La première chose que Dieu te propose, c'est de la compassion. Il est dit qu'il retourne à notre Dieu parce qu'il pardonne abondamment. Alléluia. Et même cette pensée va être reprise par les apôtres plus tard, où il dira que celui qui a péché avec abondance, eh bien la grâce de Dieu a surabondé dans sa vie. Eh oui. Et cela nous montre un Dieu miséricordieux. Un Dieu qui veut pardonner, que pour que nous puissions pardonner nos péchés, eh bien, il a offert son Fils Christ, afin que nous puissions avoir le pardon de ses péchés. Manifester sa miséricorde, sa grâce, voilà ce que Dieu a mis à notre disposition encore aujourd'hui. Et je suis tellement étonné dans le monde technologique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je suis tellement étonné dans le monde scientifique dans lequel nous sommes et dont je sors d'une partie de ma formation. Je suis tellement étonné de voir des hommes et des femmes qui aujourd'hui encore en 2023 cherchent des choses spirituelles pour équilibrer leur vie. Parce qu'ils ont mis toute leur espérance pendant un temps dans des relations humaines. Ils ont vu que ça ne fonctionnait pas comme ils s'y attendaient. Ils ont mis toute leur espérance à gagner de l'argent, à gagner des biens. Et finalement, ça leur a apporté une certaine jouissance, ça leur a apporté un certain bonheur, mais pas véritablement. Il y a toujours des zones d'ombre dans leur cœur, dans leur vie personnelle. Il manque quelque chose. Ils ont investi du temps, ils ont investi toutes sortes de choses. Et pourtant, ils ne sont pas dans cette paix ineffable et cette sérénité dont Dieu nous parle. Nous faisions, comme l'apôtre Paul le dit, nous faisions partie de ces gens-là avant. Mais nous avons découvert celui qui nous apporte la paix et la sérénité.
Nous avons découvert celui qui change nos cœurs et nos vies. Nous avons découvert celui qui, malgré le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, aussi perturbé qu'il puisse être, nous avons un cœur tranquille et en paix, parce que notre confiance est en lui. Et nous n'avons plus peur de la mort, parce que nous savons que nous sommes sauvés pour l'éternité. Et que notre vie ici-bas, c'est qu'une vie transitoire, c'est qu'une vie de passage. Il va y avoir simplement cette espérance d'un nouveau monde que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Je n'ai pas le temps de développer cela, bien sûr, mais si vous lisez cette Bible, cette parole, c'est juste extraordinaire. Je vais laisser les musiciens prendre place pour continuer ces moments et je vais terminer. Vous savez ce qu'il est dit au verset 8 ? Il est dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » Pourquoi Dieu dit cela ? Mais tout simplement parce que je peux très bien comprendre qu'il est difficile intellectuellement de comprendre l'histoire de la croix. C'est difficile de comprendre intellectuellement, sans que nous ayons été régénérés par l'Esprit de Dieu, de comprendre par exemple ce que je viens de parler, la notion du pardon. Parce que nous, en vérité, on va pardonner à quelqu'un qui nous fait du tort, allez, on va lui pardonner une fois. Bon, vous êtes des gens gracieux, alors vous allez pardonner deux fois. Bon, peut-être que vous allez pardonner trois fois. Mais sincèrement, il n'y a pas un moment donné où vous allez commencer à en avoir un peu marre ? Il n'y a pas un moment donné où vous allez commencer à dire « Écoute, ça fait déjà 4 fois, 5 fois, ça fait 10 fois là. » C'est au bout d'un moment, stop. Et pour nous, comprendre la pensée du pardon telle que Dieu la vit et telle que Dieu nous la propose, on se dit « Mais waouh, comment tu fais toi, Seigneur, pour nous libérer ? Comment tu fais toi, pour nous pardonner ? Comment tu fais pour manifester ta grâce, ta miséricorde au quotidien dans notre vie ? Comment tu fais ?» Il y a une réponse toute simple. La Bible nous dit que Dieu est justice, mais il est aussi amour. Mais il n'est pas amour comme Dieu, comme nous, nous pourrions manifester de l'amour. Nous, on n'est pas amour. On a un sentiment d'amour et on manifeste de l'amour, on manifeste de la compassion. Comprenez ? Pour Dieu, c'est différent. Pour Dieu, il ne manifeste pas de l'amour, c'est un attribut. Ça veut dire que l'amour fait intrinsèquement partie de sa personne. C'est sa vie. Il est amour, comme il est miséricorde, comme il est justice, comme il est rempli de compassion. Alléluia. Et il aime sa créature à un tel point qu'il ne veut qu'aucun ne se perde. Et c'est pour ça qu'il y a encore des églises aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a encore des pasteurs comme moi aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a encore des hommes et des femmes comme vous aujourd'hui qui témoignent, à qui veut bien l'entendre, que Dieu, à travers Jésus-Christ, est encore rempli d'amour, de compassion, de miséricorde et de pardon. Et que quiconque veut venir à lui, confesser ses péchés, demander pardon, alors Dieu le fera. Dieu te pardonnera et il te donnera une vie nouvelle. C'est juste un programme de vie tellement extraordinaire qui nous dépasse. C'est pour ça qu'il dit au verset 9, « Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » C'est une réalité. Je discutais encore avec les ados hier et on posait des questions sur la création et sur toutes sortes de choses et je leur dis, vous savez, il y a une chose qui nous manque, c'est la compréhension de Dieu qui n'est pas la nôtre. Nous, on a une intelligence qui est limitée. L'intelligence de Dieu, elle est illimitée. Alors, ça nous est parfois difficile de maîtriser certaines choses, de comprendre certaines choses, mais la Bible nous dit qu'un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous rapproche de Dieu. Et c'est pour ça que je vous invite à lire ce livre extraordinaire, à le méditer, à aller piocher, parce que vous découvrirez que non, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et qu'aujourd'hui, votre vie peut changer. Ce matin, votre vie peut changer. Maintenant, votre vie peut changer. Et lorsque votre vie va commencer à changer, cela va porter des fruits. Des fruits non simplement dans votre vie personnelle,
mais des fruits aussi dans votre environnement et dans votre entourage. Quelqu'un me disait cette semaine, mais quelqu'un qui est en préparation baptême me dit, c'est normal, pasteur, que les gens m'interpellent. Alors j'ai dit, tu peux développer ? Il me dit, ben oui, depuis que je viens à l'église, depuis quelques mois, depuis qu'on a commencé la préparation baptême, depuis que j'ai accepté ce Seigneur dans ma vie, que les choses changent. Même les gens au travail m'interpellent. Et ils me disent, mais t'es plus la même ? T'es plus la même personne ? Tu souriais quasiment jamais. Et là, tu souris tout le temps. C'est quoi les cachets que tu prends ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il que quand tu arrives maintenant, tu as le sourire et quand tu es face à des difficultés, des problématiques, tu ne réagis plus de la même manière ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'œuvre du Sauveur dans notre vie qui transforme même notre caractère, notre façon de voir les choses, de réagir. Dieu est celui qui œuvre dans nos vies. De quelle manière ? C'est simple, et je termine avec ça, par sa parole. Il est dit au verset 11, « Ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans avoir produit un effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Et c'est ça qui fait la différence, voyez. Quand vous lisez la Bible, ce n'est pas un simple livre. Ce n'est pas un simple livre comme même d'autres livres religieux qui pourraient être définis comme sacrés, comme saints. La Bible, c'est le seul livre qui détient une parole qui est vivante. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ben c'est très simple. La parole de cette Bible, la parole de Dieu, elle produit encore aujourd'hui en 2023 des effets, des actions dans notre cœur. De quelle manière ? Par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Et ce n'est pas, comment dirais-je, superficiel. Ce n'est pas, imaginaire. Oh non, c'est bien factuel. C'est bien précis dans nos vies. Et si on avait le temps ce matin, je suis sûr que des dizaines de personnes pourraient témoigner comme ces trois amis qui ont commencé à témoigner, pouvoir dire tout simplement, oui, voilà ce que sa parole, celle qui sort de la bouche de Dieu, produit dans ma vie au quotidien. Chers amis, frères et sœurs, le but de la prédication de l'Évangile, c'est de pouvoir vous indiquer un chemin nouveau sur lequel vous allez pouvoir marcher désormais et permettre tout simplement à cette parole d'agir concrètement dans votre cœur, dans votre esprit, mais aussi dans votre corps. Parce que Dieu agit dans ces trois domaines de notre vie. J'ai rencontré tellement de personnes qui, d'une manière volontaire, ont toujours voulu passer à côté du plan de Dieu parce que le refusant. Et ils ont le droit, je ne les critique pas. Parce que Dieu n'impose jamais rien à qui que ce soit. Dieu propose. Et c'est à nous d'accepter, c'est à nous de disposer, c'est à nous de dire si nous voulons le croire ou pas. Et j'ai rencontré tellement d'autres personnes qui peut-être pendant des mois, des années, ont refusé, n'ont pas voulu, puis à un moment donné, ont accepté. Je peux vous dire qu'ils ne s'en sont jamais plaints. Parce que leur vie a tellement été bouleversée, changée, la sérénité a pris place à la place de l'angoisse, de la crainte, de la dépression. Le bonheur a surgi. Il a éclos comme une fleur au plaintante. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Et parfois, ils ont même du mal à l'expliquer. Et c'est pour ça que le prophète l'expliquera, comme je l'ai dit tout à l'heure au verset 12, « Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. » Qu'est-ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui dans ce monde que la paix ? Être dans la paix quotidiennement, être dans la sérénité au quotidien, avoir confiance en ce Dieu qui nous aime et qui a tracé un chemin pour chacun d'entre vous et d'entre nous. Et c'est ce Dieu-là que je vous invite à découvrir encore ce matin. Alors je vous invite à fermer vos yeux pendant quelques instants, si vous le voulez bien, dans le respect. Et tout simplement,
demander au Seigneur sa grâce. J'aimerais juste prier quelques instants en disant, Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ces moments, ces instants. Merci pour ta parole. Et merci pour ce qu'elle nous permet de recevoir, d'écouter, de comprendre. Cette parole est une parole de vie. Et c'est une parole qui produit la vie. À quiconque veut l'entendre, la recevoir ce matin. Alors Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire, parce que je sais que ce matin, ta parole a déjà touché plusieurs cœurs. Nous sommes là dans le secret, nous sommes là devant toi. Et je sais que plusieurs sont touchés par cette parole, parce que elle ne revient jamais à toi sans avoir produit ce pourquoi tu l'as envoyée. Et ce matin, tu envoies encore une parole, que ce soit ici dans cette salle ou par les ondes. Tu envoies une parole pour toucher des hommes et des femmes que tu aimes. Afin que ce soit comme un signe éternel dans leur vie que tu les as interpellés et que tu veux les amener à vivre quelque chose de nouveau. Alors je te prie, Seigneur, pour que ces hommes et ces femmes se tournent vers toi maintenant et découvrent ce Sauveur extraordinaire que tu es. J'ai apporté avec certainement beaucoup de maladresse cette parole ce matin, mais toi, je sais que par ton esprit, ce que tu fais maintenant est parfait dans les cœurs. Alors tu prends un mot, tu prends une phrase, tu prends une résonance de ce qui s'est passé, quoi que ce soit, et tu fais ton travail, ton œuvre, dans le nom de Jésus. J'aimerais vous inviter à garder vos yeux fermés quelques instants. J'aimerais vraiment prier pour ceux qui, ce matin, voudraient de tout leur cœur rechercher l'Éternel et laisser l'œuvre de Dieu se faire dans leur vie afin de sortir de ce lieu avec joie et avec paix. Et j'aimerais simplement prier pour vous. Je ne vais pas vous faire venir sur le devant, non, je vais juste vous demander de vous manifester, prier pour vous, pour que celui ou celle ce matin qui est là, et vous qui êtes peut-être sur Internet aussi, qui recevez cette parole, vous puissiez vous positionner aussi devant Dieu. Si vous cherchez l'Éternel de tout votre cœur, si vous voulez vivre quelque chose de nouveau avec lui, si vous voulez que cette expérience spirituelle puisse vraiment vous interpeller, que vous découvriez la puissance de confesser ses péchés, de demander pardon à Dieu et de laisser l'Esprit Saint vous régénérer, vous renouveler et vous amener à saisir toutes sortes de bénédictions et de victoires dans votre vie pour sortir ce matin. Pas demain, pas après-demain, mais là, ce matin, pour sortir de ce lieu dans la joie. Sortir de ce lieu en paix. Parce que déchargé de vos fardeaux et de vos soucis, pardonné par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alors cela est possible. Et si vous avez envie de vivre cette expérience-là, là où vous êtes, alors que nos yeux sont fermés, s'il vous plaît, on est dans la présence de Dieu, comme je le dis souvent, on n'est pas au théâtre, on n'est pas au spectacle, on n'est pas là pour se regarder les uns les autres, on est devant le roi des rois. Parce que c'est lui qui pardonne les péchés, c'est pas moi. Moi je n'ai aucune puissance, je n'ai aucun pouvoir, mais lui a toute chose qu'il veut vous communiquer maintenant. Si tu veux, mon frère, ma sœur, mon ami, si tu veux vivre cette expérience, là où tu es, simplement tu lèves ta main une fraction de seconde et je vais prier pour toi. Oui, oui. Oui, aussi au fond, oui, 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 aussi au fond, oui, au milieu également, oui, au fond aussi, madame, que Dieu vous bénisse, il vous voit. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore, simplement, qui a besoin de se positionner? Lève simplement ta main, tu la rebaisses une fraction de seconde, oui, Dieu te voit maintenant, alléluia, oui, alléluia. J'aimerais prier pour toutes ces personnes qui ont levé leurs mains maintenant. Et je vais demander aux musiciens de jouer un tout petit peu plus fort afin de pouvoir faire cette prière avec moi maintenant. Et je vous invite à prier le Seigneur. Peut-être que pour quelques-uns, c'est la première fois. J'aimerais vous inviter et vous conduire dans une prière de repentance. Je n'ai pas vu, bien sûr, ceux qui étaient sur Internet, mais si vous êtes là, vous pouvez aussi faire cette prière de repentance avec nous. Parce que Dieu n'est limité par aucune frontière. Et là où vous vous trouvez, même chez vous, peut-être dans votre voiture, au bureau, ou je ne sais où, bien, là, Dieu peut pardonner aussi tes péchés et t'engager dans une nouvelle destinée. Je vous invite à répéter après moi
cette prière. Seigneur Jésus, je m'approche de toi ce matin parce que je viens de comprendre que tu es le seul qui peut pardonner mes péchés. J'accepte aujourd'hui de m'approcher de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, toutes mes fautes, tout ce que j'ai commis et qui t'est désagréable. De tout mon cœur, je te demande pardon. Je crois que toi, Jésus, tu es le seul qui est mort à la croix pour pardonner mes péchés. Je crois que, à cause de ton sang, je peux être purifié maintenant de toutes mes fautes. Merci pour ton sacrifice. Et merci pour la vie abondante que tu me promets. J'ai compris que si je m'approchais de toi, ma vie pouvait changer. Je pourrais être une nouvelle personne. Je pouvais naître de nouveau et devenir quelqu'un d'autre. Alors je veux te dire ce matin, oui, je veux rechercher l'Éternel. Je veux rechercher Dieu. Je veux rechercher Jésus. Et je veux rechercher le Saint-Esprit. Afin que tu viennes dans mon cœur, que tu viennes dans mes pensées, et que tu viennes dans tout mon être, et que tu changes mon cœur, que tu changes mes pensées, et que tu changes tout mon être. Je te donne la permission d'agir dans ma vie ce matin, parce que je veux recevoir ta paix, parce que je veux recevoir une vie nouvelle, et parce que je veux ressortir de ce lieu dans la joie. C'est là ta promesse, Seigneur. Alors je prends cette promesse dans ma vie maintenant. Je te demande pardon pour toutes choses. Fais de moi une personne nouvelle. Aide-moi à comprendre maintenant ta parole. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ces bien-aimés, ces hommes, ces femmes qui se sont positionnés devant toi ce matin. Et je te loue, parce que tu es vraiment merveilleux. Accompagne-les, Seigneur, dans leur démarche maintenant. Accompagne-les dans leur vie de tous les jours. Tu les connais, tu sais où ils sont, tu sais où ils travaillent, tu sais là où ils dorment, là où ils se réveillent. Tu connais toutes choses de leur vie. Et je sais que toi, le Dieu omniprésent, omniscient, alors tu vas t'occuper de chacun d'eux parce que tu es rempli de compassion, de miséricorde, de bonté, d'amour, mais aussi de justice. Alors merci pour ce que tu es en train de faire maintenant. À toi, Seigneur, toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je laisse la place à un chant pour l'instant. Alléluia. On ne voudrait pas se quitter sans dire, sans proclamer, sans chanter, sans crier que Christ est ma joie. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alléluia.
Jean-Jacques.